Est-ce là une nouvelle règle? C'est une variante européenne. Aroko. C'est intéressant. Mais il est injuste de ne pas suivre les mêmes règles que ton adversaire. Tu pourrais changer d'avis une fois sultan. Tu préfères comme cela? Suleiman, je sais qu'il n'a pas été facile de nous voir nous disputer le trône de Bayezid, ton père et moi. Grand-père t'a choisi, et sa parole est loi. Que puis-je redire à cela? Ton père et moi étions proches autrefois, mais sa cruauté et son ambition n'ont peut-être... Oui, j'ai entendu les rumeurs, mon oncle. Bien. Il faut que je me rende à une réunion des vizirs. Nous continuerons une prochaine fois. Quand tu le voudras. Ezio. Tariq vend des armes à un riche notable, Manuel Palaiologos. Palaiologos. Un nom si funeste. Le dernier empereur s'appelait Constantinos Palaiologos. Si ses descendants arment une milice, ce conflit va dégénérer. Tariq connaît la destination de ses fusils. Si je le retrouve, je n'aurai qu'à suivre les armes jusqu'aux Byzantins. Il est avec ses janissaires dans leur caserne. Si tu veux réussir à y entrer, tu devras te faire passer pour l'un d'eux. Rien de plus simple. Bien. Soutire-lui l'information. Puis élimine-le. En es-tu sûr? N'as-tu pas dit que Tariq et ton père étaient amis, Suleiman? En effet, mais une trahison si flagrante envers mon grand-père mérite la mort. Intesi. Thank you.
Pas les cadavres qui me dérangent. Je n'ai rien à voir avec tout ça. À tous les fournisseurs du bois pour les différents projets de qu'est-il passé ici? Quelqu'un a assisté à la scène? Allez, parlez! Subissons la colère de Dieu. Il est peut-être... On les garde quand on a besoin d'eux. Il n'ira pas loin! Selim comprend notre situation. Les Byzantins, les Mamelouks, les Safavides. Lui seul a le courage d'affronter ces menaces. C'est juste. Selim est un guerrier, tout comme Osman et Mehmet. Alors pourquoi notre sultan a-t-il préféré le chat au lion? Que la peste s'abatte sur le meurtrier qui a pris la vie de Ahmed notre chère nature calme, comme le sultan. L'ennemi de la civilisation qui doit être capturé et châtié. Signalez toute activité suspecte. Oyez, citoyens de Constantinople. Un serviteur de notre sultan a succombé à l'agression d'un criminel qui lui a volé ses vêtements. Mais Dieu bénisse le sultan, Dieu bénisse les janissaires. Je vais vous libérer le passage. Attrapez-le. On ne veut pas de vous ici. Partez. Pitié. Magnifique et impitoyable. Le bras armé de l'Empire. Je dois m'en aller. Personne ne doit me voir ici. Fiche le camp d'ici, maudit vermine. Pourquoi Ahmed s'obstine à rester ici? Il n'est pas le bienvenu. Il est comme un papillon attiré par l'éclat d'une flamme. Il attend la mort de son père pour pouvoir accéder au trône. Vous saviez qu'il a proposé de l'argent à Tariq en échange de notre loyauté? Qu'il aille au diable! Carrément. Écoutez-moi! L'un des nôtres a été retrouvé sans vie il y a moins d'une heure, dépouillé de ses vêtements et abandonné aux vautours. Soyez vigilants lorsque vous patrouillez les rues. Quelqu'un se fait passer pour l'un des nôtres. Tenez-vous prêts. Le sultan Bayezid est un homme bon, un sultan juste, mais la flamme qui l'animait s'est éteinte. Non, non, il reste un guerrier. Regardez l'armée qu'il a levée pour affronter Selim. Une nouvelle preuve de son déclin.
prendre les armes contre son propre fils. Quelle honte! Ne déforme pas la vérité pour justifier ta colère, mon ami. C'est Selim qui a attaqué notre sultan. Oui, oui, mais Selim a agi dans l'intérêt de l'Empire, pas du sien. Je connais cet homme. Ce pourrait bien être lui. Je vais me rapprocher. Tariq, un message pour toi. Quelle bonne nouvelle. Les fusils sont arrivés en Cappadoce, là où Manuel a envoyé son armée. Et nos hommes, sont-ils encore avec lui? Oui. Ils nous préviendront dès que les Byzantins lèveront le camp. Nous irons les accueillir à leur arrivée à Bursa. Tout se déroule comme prévu, Efendim. Oui. Pour une fois. Avec les ennemis du sultan. Que croyais-tu qu'une telle trahison provoquerait? Je suis coupable. Pas de trahison, mais d'orgueil. Je préparais une embuscade pour frapper les Templiers là où ils s'y attendaient le moins. Peux-tu prouver ce que tu affirmes? Regarde. Ceci
te conduira aux Byzantins, en Cappadoce. Oh. Détruis-les, si tu le peux. Tu as été loyal, Tarik. Pardonne-moi. Protège ma terre, assassin. Allah Ashkenan. Sauve l'honneur que nous avons perdu dans ce combat. Cette uniforme commence à me lâcher. Hé, c'est qui lui ? On va la voir ! Qu'est-ce qui se passe ? Je l'ai perdu de vue ! Je vous parlerai tout de suite ! Je le connais. Où est-il passé ? On va les triper. Vite, je le perds. Tu profites de ces derniers. Il est là. Allez, plus vite! Il va s'enfuir! Je vais lui couper les pieds d'abord, hein! Ah! Là! Il est là! Mon Dieu! Bon sang! On l'aura, c'est certain. Nage, mais comment fait-il? Tu risques de finir au bout du score. Là, il est là. Rentrez chez vous. Innocent. Il n'a aucun respect pour la propriété privée. Rentrez chez vous. Restez là. Laissez-moi partir. Non, ne me tuez pas. Pitié. Loin. Nous avons les dernières parutions en poésie et en prose. Pas la mode, c'est la mode qui nous suit. Et je sacrifierai deux chèvres en ton nom. Et pas. Dis-moi, Seigneur, qui te sacrifie. Par la barbe de Bayezid, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh non. Hé, hey, c'est pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Hé! Hey. Une jolie capuche. Pourquoi c'est le niveau? Je ne peux pas te tuer. Laisse-le tuer. Ne reste pas là.
J'ai un rendez-vous urgent. Je n'ai rien fait. D'ailleurs... Je connais. Oh mon Dieu. Gardez-vous, il y a un meurtrier. Juste au diable. Laissez-moi tranquille. Pitié. Quelle agilité. Quelle efficacité. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Une. Quel spectacle fantastique! On pourra pas fuir! Tu as déjà vu ce style de cap? Maintenant, mes frères! Frappe-le! Frappe-le! Ne restez pas là! Oh, mes innocents, je n'ai rien à voir là-dedans. Non. Ça ne vaut pas la peine. Que vous faites? Ah là, il est temps de partir. Encore. Où est-il passé? Défends cette position. Tu vas devoir défendre cette position. Ne bouge pas d'ici. Ne bouge pas d'ici. Ne bouge pas d'ici. Reste là. Attaque là. Tiens cette position. Ne bouge pas d'ici. Tire là-dessus. Reste là. Là. À l'attaque. Tu vas devoir défendre cette position. Ne bouge pas d'ici. Oh,
bouge pas d'ici. Ne bouge pas d'ici. Reste là. Ne bouge pas d'ici. Je veux que tu défendes cette position. Ne bouge pas d'ici. Défends cette position. Vise ça. Pas d'ici. Que des meurtriers, que ce... Pardonnez ma maladresse. C'est... Permettez-moi de disparaître. J'ai un traitement au mercure pour la migraine. Oh.
Mentor, on raconte que tu es toujours aussi fort et rapide qu'un homme de 20 ans. J'essaie de me maintenir en forme. Si nous faisions la course, je manque un peu d'exercice. Par devant, je te suis. À demander à ce que le marchand Manuel Palaiologos soit arrêté. Il est recherché pour fraude, vol et suspicion de détournement de fonds. Une récompense. Ce Templier manigance quelque chose. Nous devrions le suivre. Ne le laisse pas s'enfuir. Au secours ! Arrêtez-le ! Mentor, il tenait ceci. Ça appartient sûrement au vizir qui l'a dévalisé. Occupe-toi de son corps. Je vais rapporter ce document. Sacrilège ! Vous brûlerez en enfer pour l'éternité ! Qu'est-ce que vous... Je n'ai rien à voir avec tout ça ! Je crois que ceci vous appartient. Ah, vous m'avez épargné une terrible humiliation devant la sublime porte. Merci, Effendim. Et voici donc le jeune assassin qui vous a aidé. Passez une bonne journée. Cyril de Rhodes demeure un danger pour cette ville. Tu comprends pourquoi ? J'ai manqué de discernement, Mentor. Tu n'as pensé qu'à éliminer la cible. Tu as négligé ton approche. Je peux réparer mon erreur, Mentor. Cyril a été repéré ce matin, non loin d'ici. Bene. Nous retrouverons sa trace ensemble. Allons, en route. Ne bouge pas. Que se passe-t-il ? C'est le corps de l'homme qui m'a donné le nom de Cyril. Il ne sera jamais assez rapide. Nous le retrouverons. Entrez, mes amis, entrez ! Notre devise, un client bien habillé en ramène deux. Et remonte les pics ! Vite avant que tout ne disparaisse ! Si seulement Matunda voyait ça. Ah.
maintenant. Mort aux assassins. Qu'est-ce que vous faites? Ne restez pas là. Fuyez. Ne restez pas là. Que là. Attends un peu. Je dois m'en aller. Personne ne doit me voir. Allons-y. Ça alors. Je me dis en sécurité nulle part. Seuls les irréfléchis tuent à la vue de tous. Que proposes-tu ? Je vais faire diversion. S'il se met à courir, suis-le. Ben, c'est d'accord. Au voleur ! Reviens par ici ! Garde ! Tu ne peux pas t'échapper ! Tu as déjà vu ce style de cap ? Vous pouvez me dire. Je vous prie d'accepter mes idées. Κάποτε ζούσα εκεί κοντά. J'aurais dû savoir que vous étiez derrière tout ça. Qui d'autre, Diacre ? Vous interférez dans une affaire qui dépasse votre entendement. Va cacher dans ta botte de foin. Dommage que les assassins opèrent seuls. Je mettrai plus de temps à vous éradiquer. Et maintenant, assassin, que vas-tu faire ? Qu'espères-tu entendre, assassin ? Que je regrette mes choix ? Jamais. Rome nous a tourné le dos au moment où nous avions besoin d'elle. L'Occident n'a rien fait pour arrêter les Ottomans. Je me suis tourné vers ceux qui avaient encore de l'honneur et du courage, des visionnaires. Je ne regrette rien. Requiescat in pace. Barbe de Bayezid, qu'est-ce qui s'est passé ici ? À son âge ? Mais comment fait-il ? Et en son absence,
Le sultan requiert votre aide, brave citoyen, pour maintenir la paix. Confronté à l'oppression des gardes. C'est très impressionnant, mais quel intérêt. C'est pas possible. Je suis innocent. Je n'ai rien à voir là-dedans. Le poème te plaît ? Qui étaient ces hommes condamnés à l'enfer ? Des opposants, des ennemis politiques. La plume de Dante est acérée comme une lame, non ? Si. C'est une habile manière de se venger. Ezio, je dois me rendre à Adrianopoli d'ici quelques semaines pour visiter une nouvelle imprimerie. Tu vas t'y amuser. Je crois que c'est à 5 ou 6 jours d'ici, et il me faudra une escorte. Prego. Oh, pardonne-moi, tu es déjà bien occupée. Sofia,
Je serais ravi de t'accompagner, mais mon temps est compté. C'est notre lot à tous. Je peux essayer de déchiffrer ce dernier code, mais j'ai une course à faire avant la nuit. Peux-tu attendre demain ? Que dois-tu acheter ? C'est idiot, mais un bouquet de fleurs fraîches. Des tulipes blanches, pour être exact. J'irai chercher tes fleurs. N'est-ce pas de problème ? Tu en es sûr ? Oui, ça me changera les idées. Bene, retrouve-moi dans le parc à l'est de l'Hagia Sophia. Nous troquerons fleurs contre informations. Un homme avec de l'argent plein les poches. Qu'est-ce que ce sera, mon ami ? Des tulipes, blanches, si possible. Ah, des tulipes. Pardonnez-moi, mais je n'en ai plus. Autre chose, peut-être ? J'ai eu des instructions très précises. Écoutez-moi. Je sais où trouver des tulipes fraîches. Attendez-moi ici. Je reviendrai dans une heure. Deux, tout au plus. Je ne vais pas attendre une heure. Khalil le Fou. Suite aux événements dans les baraquements des janissaires, on a découvert que Tariq Barbedi... Quelqu'un devrait intervenir.
qu'est-ce que c'est? Un cadeau. Viens. Che belli, grazie. Je voulais te remercier de me laisser jouer un modeste rôle dans ton aventure. Mieux vaut que ton rôle reste modeste, crois-moi. Tu es si mystérieux, Ezio Auditore. Mi dispiace. Ce n'est pas mon intention. Ce n'est rien. E affascinante. Sembra squisito. Merci beaucoup. As-tu décrypté le dernier code? Ah, le code, si. Je l'ai déchiffré il y a un bon moment. Tu l'auras bientôt. Content de vous revoir, monsieur. Ça suffit, calmez-vous un peu, d'accord? Bonne nouvelle, Ezio. L'actrice Lysistrata donne une représentation publique sous un autre nom de scène. Et elle a compris qu'elle devait se cacher, mais sa vanité a fini par prendre le dessus. Suis-moi. Cette fois, nous l'aurons. Pas de précipitation. Prends ton temps et prépare ton attaque. Oui, Mentor. J'attendrai une année entière, s'il le faut. Je te souhaite d'être plus rapide. J'ai beaucoup à faire. Elle a de l'audace. On doit le reconnaître.
L'audace est souvent un signe de faiblesse. Un véritable maître ne prend jamais de risques inutiles. Préfères-tu attendre ici ou attaquer avec moi? Comme je l'ai dit, pas de risques inutiles. Nous attaquerons ensemble. Si tu ne la tues pas, je le ferai. Au fil de ces longues... Qu'est-ce que tu fais ici? Avec une modération exemplaire. Vous qui, malgré vos pitreries infantiles, ne nous permettiez pas d'ouvrir la bouche. Vos projets ne nous plaisaient pas. Mais rien ne nous échappait. Et souvent, nous apprenions... C'est pas vrai. Mais c'était quoi, ça? Tu fais ton devoir, assassin. Mais avec tant de froideur que mon cœur s'emplit de pitié. Les vies de ceux que tu protèges sont tristes, ternes et monotones. Je n'ose imaginer le monde insipide que vous voulez façonner. Requiescat in pace. Nous avons attiré l'attention. Cours!
c'est ça? Si tu respectes la vie et la liberté, rejoins notre cause. Combat pour restaurer la paix en ces temps difficiles. Tu m'as convaincu, Effendem. Je combattrai à vos côtés. Quel homme excentrique. On va laisser quelqu'un s'il continue. C'est très impressionnant, mais quel intérêt? Si vous continuez, j'appelle mais la patrouille. Évitez les gardes. Mais j'adore les Byzantins. Par la barbe de Bailly. Ensemble, nous serons plus forts. Ne te laisse pas gagner par la peur. J'ai une dette envers toi, assassin. Si tu l'acceptes, je rejoindrai ta cause. Je demande bien d'où il peut venir. Bon sang, c'était tout frais. Encore un mercenaire? Drôle d'accoutrement.
Lui, il finira mort ou en prison. Non ! Je ne veux pas être mêlé à ça ! Quel homme excentrique! Non, arrêtez! Je n'ai rien fait! Attention avec ces caisses! Maudit pèlerin étranger! Toujours dans nos pattes! Pourquoi les pubs en l'air qu'il ça? Oh, bravo! On y croirait! Il est complètement fou, le pauvre! Je suis assez misérable, non ? Thank you.
Oh.